t'es déjà corté, oh! C'est même pas vous bouger une moto. T'es déjà corté, oh! Qu'est-ce que tu fais à corté, toi? Troisième année de putain, tu as corté, tu fais? On s'inscrivait dans une démarche. C'est une démarche de développement économique, social. C'était la volonté de construire pour ce pays. Moi, je l'ai ressenti dans tout le corps étudiant. Je veux dire, militant ou pas militant, les étudiants de Corté, c'était la volonté, c'est de pouvoir effectivement construire chez soi une économie, un lien, une autre... je dirais une couche de la société qui allait peut-être demain aider la société corse à s'en sortir. Je ne pensais pas tout simplement aller à l'université. Issu d'une famille nombreuse, il s'agissait de travailler assez rapidement. Et puis, n'ayant pas trouvé un emploi qui m'intéressait, plutôt que de rien faire ou de vivre de petits boulots, je me suis inscrit en droit à l'université de Corse. C'était plus un village, les portes étaient toujours ouvertes, on dormait portes ouvertes, c'était sympa. Il y a eu des moments très durs physiquement, je dirais. Hein. On rappellera rapidement, parce que c'est un épisode douloureux, mais le fait, par exemple, que Jérôme Redjet ait été blessé lors d'un piquet de grève, etc., gravement blessé. Mais en même temps, ça permettait aussi une solidarité étudiante, forte. Quand je suis revenu, j'ai été obligé de rationaliser un petit peu aussi les années, parce qu'on ne peut pas être étudiant à vie. Donc, comme j'avais déjà un DEUG, j'ai continué en droit. Et pour ma culture personnelle, j'ai un petit peu été sur certains cours de Corse. C'était bien de pouvoir en même temps asseoir sa culture personnelle, découvrir des personnes qui, quelque part, étaient militant hein, de la cause corse ou de la langue corse, voilà. Militant ne veut pas dire que c'était quelque chose qui était fermé, au contraire, hein, c'était des personnes très très ouvertes. Hein. Lorsque je militais politiquement ou syndicalement, j'essayais d'œuvrer pour sortir la Corse de l'ornière dans laquelle elle était, à ma modeste échelle, mais par le travail que j'ai mené au sein d'une structure associative telle que dans laquelle je travaille aujourd'hui, j'ai fait 100 fois plus, parce qu'on est au cœur de l'économie, parce qu'on développe l'emploi, parce que c'est de l'argent qui reste ici, qui rentre dans les flux économiques ici. C'est important et de fait d'avoir été militant, mais en même temps d'avoir professionnellement aidé à faire des choses dans ce pays. Et